Et ça, QG Investment Africa Limited, en d'autres mots, Quantum Global Mauritius, là, l'ITP handle 85% de sa fonds souverain pétrole en Angola. Et valeur de sa fonds souverain pétrole là, 5 milliards US dollars. Et le garçon de l'ancien président, Essa Bougla, tu peux handle 85% de sa banque milliard là. Et très probablement à travers Maurice, bon, on dit qu'on connaît combien de salaires dans là, et dans la banque, à Maurice même. Le bizarre qu'on est. Parce que tout ça va exploser dans les jours à venir. L'article BBC montre nous qu'on va comment ça même si on l'a dit ici, un mois trop beaucoup. Puisqu'ils sont ruinaux, un mois trop beaucoup, il finit gagner sur un PMI, il finit gagner. Le bizarre qui était à la FSI. Mais si tu as une responsabilité, un séjour pour un plus grand malheur qui sont ruinaux, pour un plus grand malheur qui Quantum Global. Et manière nous peut faire, nous peut finir réputation. Nous sommes offshore. Bizin, full enquête, bizin établir une responsabilité à la FSI. Qui manière, ça monsieur-là, et sur une compagnie, sur une compagnie Quantum Global Mauritius, QG Investments Africa Limited à Maurice, qui manière, vite, c'est une gagne de permis. Mais la question, c'est pas disqualifier, c'est suspendre comme dans le cas de Sobrino, suspendre. Son compagnie,